Je crois que j'ai vu grand pour les caramels. C'est bien, Lolly, c'est bien. Comme une mise en bouche, le dîner croisière de l'an 2020 s'est ouvert sur un défilé d'élégance qui n'avait que deux règles. Être costumé et accompagné d'un chien ou d'un chat. À défaut, la peluche faisait l'affaire. D'accord. Le jury, constitué de Monsieur le maire, de Lali et d'une poignée de joyeux acolytes, était fort clément et distribuait félicitations et friandises sans vraiment compter. Un petit caramel. Oh, pour chérie, il fait chaud. Attendez, son maître, il va les donner. Voilà, c'est ce que je faisais avec mon... Attendez, je photographie. Alors, ce dîner croisière 2020, il est comme il y a un siècle, en 1920, avec la grippe espagnole. Eh bien, il est avec le Covid-19, donc nous sommes tous masqués. Vous n'êtes pas déguisé ? Ah ben non, je ne suis pas d'ici, moi. Je suis un touriste, vous voyez. C'est devenu rituel. Chaque année, Eulalie pousse la chansonnette. Jamais la même. Son choix varie selon une fantaisie dont nous n'avons pas songé à percer le secret. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien de quelle couleur étaient ses yeux. Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout en couleur pour un non, pour un oui? Regarde Yuki, la costume. Le chien. Comme je ne suis plus débutante dîner croisière, je l'ai préparé un petit peu rapidement cette année, la semaine dernière en fait. Les premières années, c'était un petit tracas 3 mois à l'avance. Là, je suis un peu plus à l'aise. Les masques étaient obligatoires pour la déambulation d'ouverture. Mais ensuite, une fois à table ou devant la cabine, les convives réunis en famille ou entre amis proches pouvaient s'en défaire, comme au restaurant. C'est nous, vous savez. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? On va le mériter. Mais il y a de la langouste, des huîtres, des bulots, des grosses crevettes gambas. Voilà, on va se faire plaisir. Lumière blanche, costume blanc pour une année blanche, page blanche pour se réinventer un soir d'été pendant un dîner. Sur les planches, simplement. Voilà. Allez, c'est parti. Deuxième tour. Doucement, doucement. Merci. Vous n'avez jamais manqué un dîner croisière ou si parfois? On a peut-être un. Peut-être un, mais depuis le début, on est là, oui. Parce qu'on a envie déjà, et puis c'est très convivial. On s'est fait à la main, et c'est une reproduction de 5e régiment des chasseurs d'Afrique, donc Second Empire, intervention au Sénégal notamment, et il y avait 11 régiments. Pour Cailleux, qu'est-ce que je ferais pas? La belle soirée.
de dernière minute et puis je fais avec les moyens du bord. Mais bon, j'ai mes repères, donc... Il est trop serré. En fait, dans les grands restaurants de Bretagne, où on mange beaucoup de crustacés, on vous met des grands bavoirs qui s'appellent les crustavets pour protéger des éclaboussures de tout ce que mangeait en fin de mer. Et vous pouvez vous essuyer les mains aussi, vous essuyez. L'histoire des crustavests. Donc c'est parfait pour le dîner croisière. Voilà, tout au moins pour quand nous mangeons des crustacés, des fruits de mer et des homards et des... Ouais, comme voilà. Moi j'ai un masque. Cailleux, tout est protégé madame, regardez. On protège tous les touristes. La mairie a fait le nécessaire. Elle a offert des masques spéciaux, excusez-moi, payés par monsieur Macron. Excellent, Joseph, excellent, Joseph. Il marche son pas, il n'en a même plus l'habitude. Mais c'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas. Et c'est qu'ailleurs, et pour la plupart, on décotillon leur certificat d'études. Oui, tout est grave. Moi, je chine toute l'année pour. J'ai le thème dans la tête. Là, pour l'année prochaine, je sais déjà ce que je vais faire. Donc toute l'année, je cherche. Après la préparation, il faut compter une journée et le lendemain, une demi-journée quand même. Voilà, tout dépend du thème. Deux jours de préparation. Deux jours de préparation en général. Ça fait combien d'années que vous faites ? 5 ans. Donc la première année, on a fait les années folles, hein, ouais. 1920. Après, on a fait les années 1900. Ensuite, le Titanic, l'année dernière, Sissi. Impératrice. Sissi, ouais. Impératrice, et puis cette année, voilà. Le bistrot. L'année prochaine, je ne vais pas vous dévoiler ce que je vais faire, mais je sais déjà. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il ne reste plus rien. Rien qu'un petit air qu'il sifflotait chaque jour en se rasant. Doudoubidou, doubidou, da 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 da